Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec Enki Bilal et Michel-Édouard Leclerc pour cette nouvelle discussion. Bonjour Michel, bonjour Enki. Bonjour, bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Alors, Frankie. pour commencer, je vais vous faire parler sur votre rencontre. Ça fait un moment maintenant que vous vous connaissez, Enki et Michel. Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter quand et comment vous vous êtes rencontrés? Oui, ça nous fait relativiser le temps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que mes premières rencontres Pas de avec date. Enki. Pardon? Ma première rencontre avec Enki, c'est d'abord une rencontre en tant que lecteur. Et dès que Enki a commencé à publier dans Pilote et après dans ses albums, je l'ai lu et je l'ai rencontré physiquement au Festival international de la bande dessinée à Angoulême, où généreusement, sympathiquement, il a échangé avec moi. J'étais là au titre des Centres Leclerc. Nous étions sponsors du festival. Ça devait être au milieu des années 90. Et j'ai apprécié cette homothétie entre le personnage, entre l'homme et son œuvre. Voilà. Et depuis, on se voit à l'occasion des événements de la vie artistique, pas simplement la bande dessinée. Et nous avons une amitié tranquille. Ce qui ne l'empêche pas d'être passionné. Michel, Alors, vous parliez à l'instant. Oui, Enki, vas-y. non, rien. Je voulais juste dire que, bah, effectivement, moi, je connaissais aussi Michel, Édouard Michel, par sa posture, sa situation, son dans le monde de l'entreprise, du commerce, de la grande distribution. Et lorsque je l'ai vu apparaître dans l'organigramme d'Angoulême, à ce moment-là, je me souviens très bien, on disait, mais il y a quelqu'un qui va aider à remonter toute cette affaire, toute cette histoire de festival boiteux, etc., qui a été boiteux très souvent, mais on l'aimait tous, ce festival, et on se battait pour lui. Et donc, voilà, on s'est rencontrés forcément à cette occasion-là. Et ensuite, bah voilà, moi, je découvre que Michel est un grand amateur d'art, un passionné de bande dessinée d'abord, mais évidemment, ce qui m'a moi énormément plu, c'est qu'il était ouvert sur le reste, sur tout le reste, l'art contemporain, la peinture. On n'était pas que dans le milieu un peu fermé, un peu conservateur de la bande dessinée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que quelqu'un qui a une passion pour ce monde-là que j'admire, que moi personnellement je partage, le monde de la bande dessinée, mais en plus, il est cette espèce d'ouverture, parce que je le redis, et ce sera peut-être un moment notre discussion aussi. Ce côté est un peu fermé, ce monde est un peu fermé, un peu dans la nostalgie. Et bien que Michel-Édouard soit ouvert sur l'art contemporain, ça m'a totalement, non pas surpris, mais ça m'a séduit. Alors ensuite, voilà, il y a la fondation qui naît, qui apparaît avec une espèce de CV quelqu'un invité absolument hallucinant de peintres, d'artistes. Bon, voilà, et de faire partie. Je savais qu'il souhaitait que je rejoigne la liste, et ça s'est fait au moment où ça devait se faire. Je dis ça malgré la Covid qui nous pose des problèmes, qui nous emmerde là, mais malgré ça, je trouve que c'était le moment. Et on se bat pour que ce moment continue d'exister. Et justement, ce projet d'exposition, vous l'avez ensemble depuis longtemps? Michel, ça fait longtemps que vous vouliez exposer Enki à Landerneau? Oui, avant même d'avoir créé la fondation, j'avais envie d'exposer Enki. Alors, il n'était pas en manque de capacité de montrer son œuvre, mais c'est vrai que l'estampille, le label bande dessinée était toujours prédominant. Il y a beaucoup de festivals qui invitaient Enki et beaucoup autour de l'illustration et de la bande dessinée. Et je trouvais que ça ne disait pas suffisamment l'entièreté de son œuvre. Je dirais pourquoi après, en quoi elle m'a influencé et en quoi je lui dois. Et donc, je cherchais la manière dont on pourrait montrer à la fois son travail dans le cinéma, sur l'opéra, sa participation même, son lien à la musique,
que ce soit des musiciens qui utilisent des œuvres de d'Enki ou ses vidéos, ou que ce soit lui qui s'inspire ou qui s'adapte à des chorégraphies, à des musiques. Il fallait trouver une exposition qui permette de connaître l'ampleur de son travail. Alors, il a fait des expositions magiques. J'ai adoré, j'ai regretté de ne pas avoir fait à l'époque l'exposition des arts et métiers que j'avais trouvé extraordinaire, parce qu'en plus, son œuvre de fiction et dans le rapport de l'homme à la technologie, elle était évidemment exhaustée dans ce milieu, hein, avec toutes ces créations d'ingénieurs. Mais voilà, on a attendu, on a fait Landerneau, et peut-être que cette exposition, qui bien sûr va rouvrir, et on va prendre le temps de montrer cette œuvre, on va prendre le temps que tout le monde puisse venir. Je souhaite vraiment que les étudiants, les élèves, que les écoles viennent ici, parce que cette œuvre est prémonitoire, et elle a été prémonitoire, et elle reste un formidable miroir des problématiques que notre société rencontre. Il faut parler de contenu, bien sûr, on va en parler. Mais donc, c'est un travail d'artiste avec différents types de supports. Mais Enki est un homme de contenu. Il est modeste, il ne la ramène pas dans les grands débats télévisés, il ne prend pas la parole en libre opinion tous les jours dans les médias, mais son œuvre nous interpelle très fort. Et vraiment, avec l'équipe de Landerneau, on est très fiers de montrer toutes ses facettes, à la fois artistiques, techniques, mais aussi tous ces grands thèmes qui font l'œuvre d'Enki Bilal. Et pas seulement en bande dessinée, donc. Oui, justement, parce que c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord un grand cinéaste, Enki. Je dis qu'on a l'impression qu'il est né avec une caméra. Alors, c'est vrai quand il fait ses bandes dessinées, c'est vrai quand il illustre, quand il prend des photos, mais oui, j'ai l'impression, il le dira, moi j'ai l'impression que c'est un homme qui tient une caméra avant même de reproduire. Il capte les univers, les photos, et dans son cerveau aussi, d'ailleurs. Je te laisse perplexe. Enki a un mot là-dessus. Que dire face à c'est un annonce. Et moi, je prends ça. Évidemment, je te connais, Michel, et je sais que c'est pas. C'est une analyse. Voilà, je suis très touché par cette analyse qui est d'abord la preuve que tu connais très très bien mon travail, hein, que tu l'as suivi. C'est une évidence. Et touché par ça, parce que finalement, malgré tout, y compris dans les réactions médiatiques, je suis plutôt quelqu'un de très très bien servi par les médias, je ne me plaindrai pas de ça, mais puisqu'on peut, il faut tous dire, je pense, il y a un côté, personne ne va vraiment suffisamment loin dans l'analyse du travail des artistes. Je crois qu'aujourd'hui, on va trop vite, on a tendance à caser les gens dans des catégories, etc. Or, je pense que chaque artiste, quel que soit son domaine, a une part d'énormes investissements qui passent souvent inaperçus. Et donc, il faut peut-être que les médias ont tendance un peu à passer là-dessus rapidement ou à, peut-être par paresse. Hein, je sais que ce n'est pas très bien de dire ça, mais moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un moment de ma carrière où je pense que je peux dire des choses. Donc, ce que tu viens de dire me touche parce qu'il y a effectivement le sens de ma création, il est là, dans les mots que tu as sentis, toi, dans ce que tu as senti de mon travail. Alors, évidemment, plein de gens, moi, je suis suivi par, j'ai la chance d'être suivi par un public fidèle, même quand il ne m'est pas fidèle, il revient, parce que c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà, je profite de cette liberté, et c'est pour ça que je dis les choses. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu tous frappés d'une forme de tétanie, hein, qui nous empêche de penser, qui nous empêche de nuancer. Au contraire, je pense qu'on vaincra à la fois la Covid, on vaincra tous ces problèmes qui nous sont tombés dessus, dont on est responsable en grande partie, que par la nuance, la réflexion et l'audace, simplement. Donc voilà, ce que tu dis me touche réellement, et moi j'espère simplement continuer à pouvoir profiter de cette liberté de création. Alors effectivement, ça,
ça passe par le cinéma. Alors, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis je suis un cinéaste. Alors, je ne suis pas un cinéaste, j'ai fait que 3 longs métrages, dont comment dire, les succès ont été plus ou moins présents, avec notamment aussi tout un système qui a du mal à accepter qu'on vienne d'un autre milieu, dans le milieu du cinéma, pour faire du cinéma, et que finalement, aujourd'hui aussi, on est dans un monde où le cinéma se formatise de plus en plus. Donc, voilà, on est dans cette espèce de situation. Mais ce qui me touche aussi, c'est quand tu dis que je suis cinéaste dans le regard que je peux porter, y compris dans la conception d'une bande dessinée. Et ça, je suis absolument d'accord avec toi. C'est ça que tu voulais dire. Et ça, peu de gens me l'ont dit, et je te remercie. Tu devrais écrire en plus des articles sur les artistes. Alors, on constate très vite en vous écoutant parler qu'il y a vraiment un lien d'amitié entre vous, mais c'est aussi, au-delà d'une amitié humaine, c'est une amitié intellectuelle, et ça dès le départ, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, Michel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous fédère dès le départ, Michel ? Enki a formé ou a informé 2 générations de lecteurs à travers la bande dessinée, à travers le cinéma, à travers ses images, omniprésente. Si on regarde bien, moi, mes enfants ont chez eux les mêmes images d'Enki, enfin actualisées, mais d'Enki. Et au fond, parce que sans être un militant politique médiatique, il porte des grands sujets qui sont les nôtres, sans brutalité, ou plus exactement, avec juste la brutalité juste de la situation et sans rajouter au cœur de tous ces gens qui, évidemment, essayent d'exister aussi à travers ces psychodames. Donc, il n'est pas de cette coterie, il n'est pas de ces édiles, de ces intellectuels qui se constituent en caste. Il n'en fait pas partie et d'ailleurs, cette caste ne l'accepterait pas, ce qui est déjà un beau label pour Enki. Je ne l'accepterai pas non plus. Oui, c'est ça, voilà. Mais en même temps, si vous regardez dans son œuvre le regard prémonitoire sur non seulement le totalitarisme stalinien, bon ça c'est un acquis, mais aussi le totalitarisme larvaire derrière l'usage des technologies, la commercialisation des réseaux sociaux, les modes d'accès au savoir, les discriminations, on voit dans cette œuvre toutes les problématiques d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que cette œuvre, elle date des années 70, quoi. Depuis 70, Enki ne nous a pas lâchés. Je veux dire par là qu'il s'agisse de sauver la planète, enfin, de sauver les humains dans la planète, de travailler sur un système économique qui ne soit pas simplement utilisateur de ressources, mais qui soit mieux partagé. Mais outre qu'il l'a fait bien avant d'autres, il a utilisé l'art, le regard, comme mode d'accès à cette connaissance pour toute une génération qui n'aurait pas suivi ces débats politiques à la télévision ou ailleurs. Et donc, moi, j'ai cette dette. Je ne suis pas simplement devenu amoureux de la bande dessinée, collectionneur de bande dessinée, etc. C'est d'abord un choc intellectuel, c'est d'abord un choc politique. Et au fond, il est de ces auteurs qui nous a mis, alors qu'on avait un engouement pour la technologie, on a tous nos portables, on a tous... vous lisez Bug, aujourd'hui, on sait que ça va arriver. On sait qu'il va y avoir des pertes de mémoire. WhatsApp vient d'annoncer que si on veut garder la mémoire sur WhatsApp, il faut qu'on accepte des conditions d'utilisation sur Instagram. Vous voyez, on rentre dans un système où la question de la mémoire personnelle mise dans le cloud, elle appartient à qui ? Et qu'est-ce qui se passe si on l'efface ? Voilà. Et ben, par exemple, dans Bug, aujourd'hui, que ce soit par l'image, qui est très actuelle, en fait, à cette époque de Covid, de confinement, que ce soit par l'image, que ce soit par la thématique, on est avec Enki, mais il nous l'assène pas, il nous le martèle pas, il nous met devant une situation, et moi ça me trouble, et y compris dans mon activité professionnelle de marchand, en fait c'est la limite, il me donne la limite
de ce que mon enthousiasme m'amènerait à faire. Hein? Donc la conscience politique et géopolitique du monde dans lequel on vit. Oui, c'est un éveilleur. Mais ouais. Pour répondre à ça, et pas répondre, mais rebondir là-dessus, ce qui est très important, c'est que tout est lié à ce que tu viens de dire, Michel, sur cette forme de liberté, d'exigence. Et tu dis à un moment donné que je le fais dans la modestie, je ne me montre pas, je ne vais pas débattre dans les... Je le fais parce que je ne fais pas, ces débats, je ne les fais pas parce que ça me paraît antinomique. C'est-à-dire que c'est ma création elle-même, elle parle pour moi. Donc, je suis lu, distribué, on me connaît, etc. Alors, peut-être qu'on ne me connaît pas assez au regard de ce que pourrait être une médiatisation, je ne sais rien, échevelée, etc. Mais le but n'est pas là. Moi, je n'ai pas envie d'être médiatisé pour être médiatisé. Je n'ai pas envie d'apparaître à la télévision pour parler, pour paraphraser ce que j'ai écrit et pour ensuite entrer d'aujourd'hui dans des débats qui sont des débats nauséabonds, qui sont des débats où il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de réflexion, où tout de suite on vous met dans un camp ou dans l'autre. Hein. C'est binaire aujourd'hui. Ah, on ne peut pas se dire... Voilà, il faut être à droite, sinon c'est pas possible. Aujourd'hui, en plus, maintenant, il faut être blanc ou noir. Et quand je dis ça, il faut être quasiment au niveau de la couleur des peaux, donc c'est quand même dramatique. On est en train d'entrer dans une espèce de folie absolue qui est celle de la régression de la pensée. Or, moi, je pense que l'artiste, c'est quelqu'un qui doit travailler dans son fait. Me donne cette liberté que ne m'a jamais donné le cinéma. Ou qui fait des très beaux produits, mais ce sont des produits où il n'y a pas vraiment de pensée, et ça, c'est malheureusement, c'est le moment. J'espère que ça ne va pas durer, mais en tout cas, et ça ne m'empêche pas de passer d'excellents moments devant des films, devant des séries. Il y a des choses magnifiques à regarder, mais on est dans quelque chose qui est totalement formaté et qui est très loin de la liberté qu'ont certains artistes dans la bande dessinée, dont moi, qu'ont certains artistes dans la musique, qu'ont certains artistes dans d'autres secteurs. Le problème, c'est que la culture est en danger pour d'autres raisons. En ce moment, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés. C'est un débat hyper important. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, ma réserve, entre guillemets, elle est là pour simplement me permettre de dire des choses, mais ce n'est pas pour alerter, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Mais si, dans l'esprit de certains des lecteurs, ça peut faire bouger des choses, c'est formidable. Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, Enki, par rapport au film et à la différence de liberté. On a des questions de personnes qui nous regardent là sur Facebook et Instagram qui demandent si on reverra bientôt des films ou des films d'animation d'Enki Bilal. Alors, film d'animation, c'est compliqué parce que j'ai un style qui est très, très dense. Et en termes d'animation, c'est complexe, etc. Donc, ce qui prime dans ces cas-là, c'est qu'il faut que le sujet soit très, très, très grand public pour que l'argent puisse venir. Donc, c'est très compliqué. Hein. Côté film normal, j'ai eu deux projets très, très... Moi, je les ai trouvés évidemment très, très beaux et très ambitieux et pas du tout petit public, pas du tout élitiste, un grand public réellement, qui n'ont pas pu se faire, une extrémiste pour des raisons que je préfère ne pas évoquer, mais qui sont notamment liées au fait que dans la culture française du cinéma et notamment de peut-être des diffuseurs d'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le réel, c'est le sociétal, etc. Et de toute façon, l'imaginaire a toujours été quelque chose d'assez mal maîtrisé par le système de production français. C'est pas les producteurs qui sont en cause, hein, c'est plus les diffuseurs aujourd'hui, qui n'ont pas le courage de le faire, parce que on va pas faire un débat là-dessus, en considérant presque quasiment que c'est chasse gardée pour les Américains et les Anglo-Saxons. Or, moi, ce que je propose, et je suis pas le seul, je pense, on propose, c'est que c'est une vision plutôt européenne. Donc, l'imaginaire avec la culture européenne, pas avec ma culture américaine. Mais ça n'est pas compris. Et donc, pour l'instant, j'ai mis de côté totalement mes projets de cinéma, même si, alors par contre, ça, c'est en cours, hein, c'est pas rien du tout, hein, mais je ne serai pas le réalisateur, je serai showrunner de cette série. C'est Bug, dont on a parlé, qui sera, en principe, hein, on est en train de travailler dessus, de produire le Bug comme série France Télévisions.
Et ça, c'est en cours de pré-production. Le script est écrit. Les 6 épisodes de la première saison sont écrits. Voilà, avec Dan Franck, mon ami, complice. On a déjà fait des tas de choses ensemble. Là, on a travaillé ensemble sur l'écriture. Donc, c'est un mélange de deux mondes. Hein. Mon monde qui est plutôt prospectif et le sien qui est plutôt le passé, la culture littéraire française. Donc, c'est un mélange qui, moi, je trouve passionnant à faire. Voilà. On va revenir maintenant un petit peu sur l'exposition. Vous l'évoquiez déjà un peu en préambule tout à l'heure, Michel, l'exposition de Landerneau. Elle montre les mondes d'Enki Bilal, la vision du monde d'Enki Bilal, avec des planches de bande dessinée, avec des extraits de films, avec des peintures. Enki, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement de ce monde-là, et puis ensuite, Michel, nous donner aussi un peu votre avis sur cette exposition? Mais moi, en fait, quand j'entends parler Michel de ce que je fais, de mon travail, je trouve que c'est lui qui en parle le mieux. Parce que moi, je ne suis pas sûr d'être bien placé. Ce qui m'a touché, en plus du confort dont je bénéficie dans cette exposition, mais je pense que tous les artistes, alors vivants, ils ne sont pas nombreux, même ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient plus là, en tout cas, ils ont profité de conditions d'exposition assez, assez exceptionnelles. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc moi, je suis là à découvrir quasiment, même si je savais, à travers le travail que j'ai fait avec Serge Lemoine, qui est quand même le commissaire d'exposition. Non, moi, je voulais en parler de ça, c'est quand même lui. Parce que moi, il était hors de question que je fasse auto-jeu. Je n'aime pas ça. Donc, le regard de quelqu'un, lorsqu'on a discuté, moi, je connaissais Serge Lemoine, on a proposé Serge Lemoine, c'est une discussion avec Michel, avec Marie-Pierre. Enfin bon, on me souvient très bien de ce moment. On s'est dit, voilà, on va demander à Serge Lemoine. Et lui, il a apporté sa vision, sa lecture. Il a fallu que moi, je m'adapte. On n'était pas toujours d'accord, mais on a réussi à faire quand même un concept qui nous convient à tous. Et donc, moi, quand je découvre l'exposition, tout en sachant ce qu'il y avait dedans, je la découvre littéralement. Donc ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Parce que c'est la première fois que j'ai ce sentiment, c'est de voir, et ce que je vois d'ailleurs dans un premier temps, hein, parce que je sais exactement ce qu'il y a, les images, je les connais toutes, elles sont toutes dans mon disque dur, mais ce qui me frappe toujours, c'est tout de suite, d'emblée, c'est la masse de travail que ça a représenté. C'est drôle. Ouais. Voilà, mais quel travail, et ce travail au sens le plus noble du terme, parce qu'il y avait, même s'il y a des moments difficiles dans la création, c'était de la passion. Voilà. C'est quand même un travail qui est venu, ce que je montre là, c'est venu d'une passion. Alors, je dis tout de suite, pas d'une passion pour la bande dessinée, franchement pas, c'est pas le problème. Hein. La bande dessinée m'a permis simplement d'utiliser ces outils, et d'ailleurs, je les ai utilisés de telle sorte que je m'en suis un peu éloigné, j'ai même rompu quelque part techniquement avec la bande dessinée, ce qui veut dire que je voulais pas faire de la bande dessinée pour faire de la bande dessinée, mais la bande dessinée m'a permis de raconter, de montrer, de parler du monde d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Je conjugue les trois temporalités toujours. Et donc, c'est ça que j'ai... Alors après, il y a des thématiques, et c'est Serge Lemoine qui en parlera le mieux, mais évidemment, tout ça, c'est moi. Quelque part, c'est moi. Voilà. Je comprends, Enki, c'est toujours compliqué, même si c'est un exercice sollicité de se raconter et de raconter son œuvre. Donc, c'est plutôt effectivement à nous de le faire, à nous l'équipe de Landerneau. Donc ici à la Fondation à Landerneau, ville de 18 000 habitants, on a des ambitions culturelles, c'est évidemment de rendre accessible l'œuvre de grands artistes qui n'ont jamais été exposés dans notre moitié ouest de la France, hein, même des Miro, des Giacometti, des Chagall n'ont jamais bénéficié. Il y a eu quelques belles expositions à Rennes, à Bordeaux, au Havre. Mais donc on fait ce travail avec une équipe d'ailleurs essentiellement féminine, à l'image de Pauline ici présente. On travaille
cette accessibilité de la culture pour tous, c'est un slogan, mais c'est un besoin. Et nous avons inclus dans notre programmation Enki, parce que justement, on peut venir voir sur grand écran ces films. Enfin, ce sont des extraits de films qu'on peut après aller voir sur Internet, sur YouTube, mais qui sont des films qui ont été disputés à Enki en crédibilité, alors que tous les grands créateurs de cinéma ont travaillé avec Enki, d'Alain René, les acteurs comme Jean-Louis Trintignant. Vous verrez, je suis un peu générationnel là, mais il faut venir voir à travers ces écrans. Et après, en rentrant chez soi, on peut redécouvrir toute cette œuvre. Il y a évidemment des planches de bande dessinée. Il y a des grandes toiles, et c'est très rare qu'un artiste de bande dessinée arrive à maîtriser son dessin quand il change d'échelle. Vous savez, par exemple, on a un ami commun qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Moebius, qui était un très, très grand dessinateur. Bah, pour faire des choses en grand, il était obligé de travailler avec des projections ou avec l'agrandissement par ordinateur. Enki s'est confronté à la toile avec de la matière, avec des techniques qui lui sont propres. Il a travaillé, et par exemple, il a un thème où il allie la boxe et le jeu d'échecs, qui sont deux territoires à la fois d'expression du pouvoir, mais aussi où il y a des reines, où il y a des rois et des vainqueurs et du public. Et donc, à travers ce monde des échecs et de la boxe, sur la toile, c'est vraiment très intéressant. Il y a les thèmes universels de l'amour. Il faut venir voir ça, c'est des toiles extrêmement bien réunies pendant toute cette exposition. Et pour ne pas faire un monologue, je voudrais juste, comme ça, pour attiser, pour mettre en appétit, Enki s'est attaqué, il s'est confronté à l'œuvre de Guernica. Et ça donne, avec ses personnages, avec son univers, ça donne une expression qui n'est pas simplement la reprise de Guernica, mais la pérennité de ce thème porté par des personnages qui nous sont familiers chez Enki. Et ça, c'est un travail qu'on n'a pas beaucoup vu en France encore, puisque c'est parmi les premiers lieux où ces œuvres sont exposées. Et j'invite vraiment à venir voir, c'est très touchant. C'est difficile, là, avec des connexions qui sont fragiles. Il faudrait qu'on monte les œuvres en même temps. Mais si vous le voulez bien, on en parlera tout à l'heure. On va essayer de faire une exposition virtuelle qui sera diffusée à partir de la semaine prochaine. Alors voilà, en tout cas, trois raisons, s'il en fallait d'autres, trois raisons de venir à Landerneau, où, par ailleurs, on a une tradition d'accueil qui accompagne très bien cet itinéraire intellectuel. Alors Michel, c'est ce que tu dis, c'est ça m'amène à amener un élément que peu de gens voient dans mon travail. Alors effectivement, c'est une exposition où il y a l'humain, la sensualité. On finit par la sensualité, heureusement. Hein, l'amour, quel qu'il soit, entre humains, ça c'est extraordinaire. Entre humains et animaux, hein, de vivants, je dirais. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais avant, effectivement, on est mis à rude épreuve d'une certaine façon, parce qu'on a la géopolitique, on a la violence, on a le cosmos, l'immensité, nous, petite poussière dans l'immensité de l'univers. C'est quand même un sujet qui est assez peu compris. Si ce sujet était davantage compris et expliqué peut-être aux tout petits enfants dans les écoles, peut-être que cette notion de poussière humaine à l'échelle d'un univers absolument gigantesque, peut-être ça nous rendrait un peu plus solidaires, je ne sais pas. Mais c'est peut-être, au lieu de laisser parler des ayatollahs de religions différentes, ce serait peut-être pas mal. Donc ça, c'est une chose. Donc au milieu de tout ce parcours où effectivement il y a de la violence, il y a de la dureté, c'est l'état du monde, même avec cette espèce de vision d'un futur proche, il y a quand même tout le temps et en permanence, et notamment dans ce que tu viens d'évoquer avec Picasso et avec Guernica,
il y a de l'humour, c'est-à-dire qu'il y a un second degré, une dérision, et ça, j'aimerais bien que, je pense que ça apparaît lorsqu'on rentre, lorsqu'on visite et lorsqu'on lit, il y a cette notion qui est pour moi extrêmement importante, sinon je pense que je n'aurais jamais réalisé tout ça, je pense que je n'aurais pas tenu si je n'avais pas eu une dérision, un second degré. Voilà. Donc il y a toujours un sourire au coin des lèvres, sauf à certains moments où c'était, voilà, c'était le sujet ne l'exigeait pas, mais la dérision et l'humour sont omniprésents. Et le texte, le livre qui inspire cette box, cette boîte noire dans l'exposition de Landernau, vient d'un livre que j'ai écrit, c'est aux éditions Stock, sur une expérience, une nuit passée au musée Picasso. Donc, plusieurs écrivains, on se passe le lit de camp, c'est-à-dire qu'on dort tous sur le même lit de camp, l'un après l'autre, ou l'une après l'autre. Chacun passe sur ce lit de camp, passe une nuit dans ce musée et raconte, carte blanche. Donc voilà, cet élément-là, là aussi il y a de l'humour, il y a du second degré, il y a la participation de grands comédiens de la Comédie française. Enfin bon, il y a une espèce de partage aussi, je pense que ça aussi c'est la transversalité, ça aussi c'est très important dans mon travail. Et c'est pour ça que je ne veux pas perdre du temps à aller dans les médias, pérorer ou raconter. Je préfère créer, et cette transversalité, elle est présente aussi bien dans les ballets avec Fred Jocage que dans le cinéma, effectivement, avec énormément d'acteurs. Tu as cité Jean-Louis Trintignant, mais il y a Marie Laforêt, Michel Piccoli, Richard Boringer, Julie Delpy. Je peux en citer, j'ai eu un casting et c'est exceptionnel. Donc, dans ces trois films, en tout cas. Et donc, c'est. Donc, tout ça, ça a quelque chose de. Je pense, hein, de sincère. Alors, voilà, c'est pas. Je dis avec immodestie, mais la sincérité, c'est pas immodeste. On parlait de transversalité, là, à l'instant. Un thème qui est vraiment transversal à toutes les sections de l'exposition, c'est l'humain, l'humanité. Quelle vision vous en avez l'un et l'autre de cette humanité? Michel, peut-être, pour commencer. Nous ne sommes pas des pessimistes. Je n'ai pas l'impression que nous sommes des pessimistes. Mais l'expressionnisme d'Enki Bilal traduit quand même une sacrée inquiétude. Il dit qu'il met des doses d'humour, mais dans la visite de cette exposition, tous les geeks, tous les accros de la modernité auront quand même l'estomac un peu noué de par les possibilités certes positives, mais aussi négatives des rapports des humains avec la technologie, par exemple. Et vous vous rendez compte, enfin, à l'heure où des philosophies émergent, qu'on appelle transhumanistes, qui font croire à des rêves, qui ne sont même plus des utopies, qui font croire à je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est des transgressions, mais faire croire à un désir d'immortalité, ce qui est important dans cette exposition, c'est de suivre aussi les personnages, hommes et femmes, qui dans toute l'œuvre d'Enki et dans toutes ces situations cherchent à s'aimer, à cohabiter, à vivre. Donc il y a cette espèce c'est pas de l'inquiétude, mais bon, il y a d'abord un sentiment d'unicité, mais aussi de solitude de chaque personne, homme ou femme, par rapport à ce cosmos, par rapport à la politique, par rapport à tous ces enjeux écologiques. Et puis, il y a des êtres qui se cherchent, et il y a toujours cette vision du couple, qui sont souvent d'ailleurs deux solitaires dans l'œuvre. Là, je peux me tromper, mais on a eu cette discussion avec Enki une fois. C'est souvent l'amour, c'est la connexion de deux êtres souvent solitaires. Et dans toute l'œuvre d'Enki, vous pouvez voir cet homme, cette femme, qui sont certainement lui aussi, qui cherche une raison d'être optimiste peut-être. Michel, je suis dans les deux, effectivement, dans les hommes, les hommes et les femmes aussi, c'est certain. Et ce que tu dis me fait penser à finalement ce qui peut-être peut expliquer mon travail, tout simplement. C'est que je m'affronte, je me coltine à des choses dures, violentes, qui sont issues du monde des hommes, c'est-à-dire mon monde, hein, moi je n'y échappe pas à ce monde-là, j'en fais partie,
du monde des hommes d'un passé proche. Moi, je prends le XXe siècle, je ne vais pas au-delà. Hein. Voilà, ça me parle, le XXe siècle, qui est extraordinaire, magnifique et monstrueux en même temps. Et puis, le présent et l'angoisse, l'inquiétude sur le futur. Donc, ces trois éléments-là me font effectivement raconter, montrer des choses qui peuvent être difficiles, complexes ou qui peuvent être déstabilisantes. Mais c'est comme si moi, m'étant égaré sur ce terrain de jeu, je me suis moi-même fabriqué par mon imaginaire, tout d'un coup, à un moment donné, j'éprouve le besoin de rentrer à la niche et de me serrer dans les bras de quelqu'un que j'aime. C'est un peu ça l'histoire, en fait. Je crois que c'est l'être humain qui, à force d'être ce qu'il est, à savoir un être à la fois parfait et très imparfait à la fois très ambitieux, très inventif, etc., et en même temps très, très violent, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu notre violence, c'est ça qui est étonnant. On a évolué, on a quitté le stade de primates, et finalement, quelque part, les primates d'aujourd'hui qui sont restés à cet état de primates, ils nous donnent des leçons à la fois de civilité, de sagesse et d'intelligence. Vive les singes et les gorilles. Et donc, tout ça, voilà, je fais partie de ce monde-là, je le dénonce. Alors, oui, c'est effectivement, c'est une façon de dénoncer, mais je sais très bien que la lumière, pour l'être humain, c'est finalement le moment où on aime quelqu'un, où on a besoin de l'autre, où on a besoin de la chaleur de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on retourne. Et toutes mes histoires, quasiment, se terminent par ces fusions. Ce côté très fusionnel. Il y a un film que j'ai fait qui est un montage de mes trois films qui s'appelle Ciné-Monstre, qui dure 1h10. Donc, j'ai fait un truc très compact avec des éléments que j'ai montés comme ça, hein, très brutalement. Et je me suis rendu compte d'une chose en faisant ça, hein, c'est que mes trois films, alors Bunker Palace Hotel, Pico Moon et Immortel, ont la même structure finale. C'est-à-dire que ça se termine par deux êtres. Un homme et une femme. Alors moi, je suis hétéro. Aujourd'hui, il faudrait que je sois tout, mais je ne peux pas. Hein. Mais en même temps, tout le monde aura le droit de le faire. On se retrouve, je dis ça pour les féministes qui sont en train de me guetter, là, au coin du bois. Non, je suis plus féministe que vous, mesdames et mesdemoiselles, qui voulez tuer votre mari parce qu'il va vous violer. Moi, je suis désolé. Moi, je ne fais pas partie de ce monde-là. Donc, je suis plus féministe que vous. Et ça se termine toujours par cette fusion de deux êtres. Après avoir traversé les épreuves les plus difficiles. Et donc l'homme humain, c'est... Oui, allez-y, allez-y, Michel. Oui, Pauline, je pense que on réfléchit en même temps, même si la techno n'est pas évidente, mais je pense que l'œuvre, dans la politique aujourd'hui, il y a l'idéologie et morale. Quelquefois une morale à deux balles qui sert d'assise à des comportements politiques. Et il y a le sentiment, l'amour qui fonde le lien social. Dans la politique chez Enki, elle est sur le sentiment. Elle est sur le besoin de sentiment. Et ça touche chacun d'entre nous. Quand on visite cette exposition, on est renvoyé à ce qu'on est dans le comportement. D'abord pour soi et dans le comportement avec les autres. Et j'aime bien cette idée de fusion, parce qu'à force de cultiver tout le temps cette idée d'identité poussée à l'extrême, et après d'avoir une philosophie de la diversité, hein, la diversité va avec la multiplication des identités, on en oublie d'être fusionnel. Et en fait, à titre personnel, on a besoin de se ramasser pour exister. C'est le scientifique et l'analyste qui découpent. Mais nous, on ne va pas vivre découpé et notre société ne peut pas vivre découpée. Et c'est ça que l'exposition à Landerneau, je trouve, moi, m'apporte. C'est que, au-delà de tous les débats idéologiques et ces querelles qui ont traversé le XXe siècle et qui l'a rendu magnifique et monstrueux, comme l'a dit Enki, il y a un besoin aujourd'hui de fusion. De rassembler l'ensemble des éléments pour ce qu'on est, pour ce qu'on est, mi-animaux, mi-dieu, voilà. Et une deuxième observation aussi, vous savez, il y a un philosophe, donc Nietzsche, qui, pour un petit peu déconstruire toutes les systèmes philosophiques un peu trop fermés, il a toujours dit que derrière chaque système,
chaque concept un peu rationnel, faut jamais oublier qu'il y a que le philosophe est d'abord un homme et qui traduit là ses propres préoccupations. Et quand bien même le système a l'air d'être complètement super formaté, etc. Et je trouve que quand on regarde l'œuvre Enki Bilal, on a un personnage, on a une personne, on a un écrivain, on a un cinéaste on découvre l'homme Bilal. L'œuvre de Bilal fait découvrir Bilal, et à travers Bilal, ça nous renvoie à nous, à chacun d'entre nous. Hey, c'est bien vendu, hein, quand même. C'est bien. Non, mais c'est pas mal. Et puis moi, je voudrais dire un truc pour finir tout ça, simplement. On va continuer, hein. Mais tu parlais de déconstruction, hein, de déconstruire. Et on est aujourd'hui, effectivement, dans un monde où on est plutôt dans la communautarisation, c'est la communauté, machin, les différences qui se marquent, etc. Moi j'ai toujours été pour un concept qui était le métissage. Moi, j'ai toujours fait sublime. Le métissage entre des gens venus d'Afrique, venus du Nord, venus de Laponie, venus d'Asie, venus des États-Unis, des peaux rouges. Le métissage, pour moi, c'est une richesse. Or, le métissage a été à un moment donné quelque chose qui était montré comme une espèce de vision très positive de l'humanité. Or, ça a été abandonné. Et on ne sait pas pourquoi ça a été abandonné. Finalement, maintenant, on est dans le communautarisme. Et le problème, c'est pourquoi le métissage aujourd'hui ne pourrait pas avoir lieu, parce que simplement, tout le monde est racisé. On nous pousse à nous opposer les uns aux autres. Alors moi, je suis pour que le blanc et le noir s'unissent. Eh bien non, aujourd'hui, on entend dire qu'il faut qu'ils se séparent parce qu'il y a un gentil et un méchant. Ça dépend où on se place. Hein. Donc tout ça, ce sont des régressions que moi, j'aime bien noter. Et c'est ce que je fais dans mon travail, hein. Je pointe les régressions, les manques. C'est pas des leçons de morale. Je suis pas philosophe, ou je suis philosophe à ma manière, comme tout artiste est philosophe à sa manière, en produisant des sons, c'est de la philosophie aussi. En produisant des sculptures, c'est de la philosophie aussi, parce que ça veut dire des choses et ça amène des questions. Et ça, je pense que c'est voilà, que ce soit concentré dans une exposition, c'est un luxe, c'est une chance qu'il ne faut pas nier. C'est ça qui est très fort, c'est que je ne sais pas comment les gens vont réagir. Comment les gens vont réagir, même peut-être face à ce miroir. Il y a des miroirs dans l'exposition. Ils se trouvent face à eux tout d'un coup et c'est des miroirs déformants. Bon, bah, ils sont une œuvre d'art eux-mêmes. Bon, bah, voilà, j'espère que la déformation qu'ils auront vue de leur propre visage les amènera à penser à tout ça. Et donc là, on est à la croisée de plein de chemins sur ces questions de l'humanisme, évoqué un peu plus tôt aussi le transhumanisme, l'homme augmenté. Ça, l'humanité demain Je vais continuer juste là-dessus. Oui, alors, bah oui, non, mais ça fait partie des. Ça fait partie des. Comment dire, des convois sur les rails, hein, c'est parti tout ça, il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, et de toute façon on n'arrêtera pas l'homme là-dessus, l'homme il a besoin toujours de conquérir, d'inventer, donc ça fait partie, c'est la beauté entre guillemets, mais à double tranchant, comme dit Paul Virilio, on est toujours sur une ligne où on peut basculer dans l'obscur et dans la lumière. Et là, effectivement, on joue avec le feu d'une certaine façon, mais en même temps, on ne peut pas arrêter ça, et c'est fascinant. De rêver d'aller sur Mars, c'est fascinant, d'envoyer dans l'organisme des puces invisibles, nanotechnologiques qui vont vous déposer des traitements médicaux qui vont vous guérir. Enfin, c'est surréaliste ce qu'on est capable de faire. Donc tout ça amène forcément certains à se dire, l'homme, on va l'augmenter. Hein, on va lui... Donc déjà, on est augmenté nous-mêmes, hein, je suis désolé, mais avec notre iPhone, là, ce truc-là, iPhone, on est augmenté. Ça fait partie de notre main maintenant, ça fait partie de notre cerveau. Voilà, d'où Bug, hein, la série est venue de ça, en fait, de cette question-là. Mais ça, c'est l'avenir, ça fait partie de notre parcours, et il faut simplement être vigilant, ne pas tomber dans le piège de comment dire, dans l'accélération, c'est ça le grand danger, et il faut savoir arrêter ou dévier, ou ne pas aller vers la folie que certains espèrent pouvoir réaliser, à savoir devenir immortel. Moi, ça me fait rire en tant qu'auteur, qu'artiste, l'immortalité, c'est toujours dans mes thèmes, hein, depuis le début, mais au second degré, c'est-à-dire je m'en
J'éclate de rire face à cette espèce de désir, mais il est en train de devenir réalité. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dis, ou on te fait dire, qu'il n'y a plus de science-fiction ? Alors, moi, je le dis, mais c'est... En même temps, c'est parce que bon, depuis que j'existe quasiment en tant qu'auteur, sauf certains livres avec Pierre Christin qui étaient ancrés dans le réel et dans le présent, on me fait dire, vous faites de la science-fiction avec toujours cet air un peu condescendant du genre, ouais, d'accord, c'est de l'imagination, tout ça, comme si ça n'avait pas de valeur, d'imaginer le futur, n'avait aucune valeur par rapport au fait de raconter sa propre vie. Mais je suis désolé, mais d'imaginer le futur pour les humains, ça me paraît beaucoup plus intéressant, plus important que de raconter sa pauvre petite vie, quoi, d'être dans l'autofiction ou dans le. Mais le, voilà, on est dans une culture que moi j'idolâtre pour le verbe, pour le mot, l'écriture. La langue française est pour moi un trésor que je souhaite à tout le monde de connaître par le chemin que j'ai parcouru moi, à savoir la découvrir sur le tard. Quand je suis arrivé à l'âge de 10 ans, je découvre cette langue. Et là, quand on est dans un pays, on parle la langue immédiatement, on ne se rend pas compte de sa beauté. Mais quand on la découvre à 10 ans, je peux vous dire que ça peut être impressionnant. Et c'est le cas. Donc voilà, moi je considère que utiliser cette langue pour imaginer, c'est un luxe énorme. Or, en France, on a toujours eu tendance à considérer que l'imaginaire, c'était quelque chose qui était un peu... C'était pour les enfants, c'était pas sérieux. Vous nous racontez des choses qui ne peuvent pas arriver, c'est de la science-fiction. Voilà, il y avait cet air-là. Contrairement à un monde anglo-saxon qui est beaucoup plus, comment dire, plus ouvert là-dessus et qui intègre la science-fiction dans la littérature. En France, c'était compliqué et ça l'est toujours. Donc moi, je disais toujours, attendez, science-fiction, vous réduisez parce que vous réduisez ça à l'imaginaire, vous réduisez ça à une vision. Non, c'est réfléchi. Je peux vous dire que c'est pas simplement de l'imagination qui vagabonde. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois que enfin, tout ce qui nous arrive, y compris ce virus que personne n'a vu venir, je peux vous dire qu'il y a 40-50 ans, il y avait des livres où on parlait de pandémie terrible, où on parlait de nanotechnologie, etc. Et les gens continuent à se dire, bah oui, mais c'est, ah ouais, c'est aujourd'hui, c'est comme ça, mais ah oui, mais vous faites toujours de la science-fiction. Je dis non, je parle du monde d'aujourd'hui. Et bientôt même, je vais parler du monde d'hier. Pauline ? Ah, j'entends rien, moi. Non plus. On t'entend pas, Pauline. Ouais. Par geste, peut-être. Vous m'entendez ? Oui, maintenant, oui. Ouais. Ah, super. Je vais reposer ma question. Je disais donc que tout à l'heure, Michel, vous, à demi-mot, vous évoquiez un dispositif que vous allez mettre en place pour donner accès à l'exposition en mode virtuel. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, en fait, j'en fais pas un argument publicitaire, hein, pardon, Enki, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, la culture, et tous les espaces culturels sont fermés. Les libraires n'ont pu réouvrir qu'au prix du soutien, d'ailleurs, des artistes et des écrivains. Et donc, il faut trouver d'autres formes de médiatisation de l'activité artistique, ne serait-ce que pour entretenir la flamme. Et on va rouvrir ici à Landerneau. Toute l'équipe dont tu fais partie, Pauline, est prête à accueillir le public. On attend le top chrono. Mais donc, parmi nos mécènes, évidemment, ça s'appelle Leclerc. Donc, ils vont nous dégager un petit budget supplémentaire pour, sur les réseaux sociaux, faire une visite virtuelle. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a du sens, une visite en image sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir, ne serait-ce que sur la page Facebook du mouvement Leclerc, ici sur le fond, sur les pages du fond, Hélène-Édouard Leclerc à Landerneau, vous pourrez visiter cette exposition. Donc ça, c'est évidemment une petite compensation ou une petite mise en bouche plutôt. Moi, je vous invite vraiment à venir, dès que ce sera ouvert, à venir vous immerger
dans cette exposition. C'est une grande halle qui fait à peu près 1000 mètres carrés, dans lequel donc il y a des écrans, il y a différentes pièces, il y a un parcours qui a été conçu par justement Serge Lemoine, qui est une très belle personne de l'activité culturelle française, qui a voulu aussi épauler et exaucer le travail d'Enki. Et dans ce parcours, il y a toutes les formes d'expression, des jeux de miroirs, il y a des grands écrans avec les films, il y a des grands tableaux, il y a des planches de bande dessinée en noir et blanc, fruit d'une grande collaboration avec un très grand monsieur scénariste, Pierre Christin, qui a été aussi grand professeur à l'école de journalisme. Donc, il était dans la sociologie, dans la politique. Vous verrez aussi des bouts de phrases comme ça d'écrivains, de philosophes ou même d'Enki qui renvoient à nos pensées. Et donc c'est vraiment, je ne vends pas ça comme un parcours initiatique et mystique, hein, vous le comprenez bien, c'est juste, il y a une itinérance dans l'œuvre de Bilal qui est, je pense, elle est vraiment bien faite, quoi. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Vraiment, j'aimerais que vous faire partager ça. Notre équipe, alors, nous aimerait vous faire partager ça, pas simplement... justement, enfin, après cette visite, vous irez voir sur Internet les films d'Enki. Je ne sais pas d'ailleurs, Enki, s'ils sont diffusés particulièrement ailleurs que sur YouTube ou toi, tu pas. As. Je ne sais pas. Tu sais pas ? Non. Non. Non, 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 le cinéma. Non, ils ont existé à un moment. Immortel a existé en Blu-ray. Moi, je l'ai en DVD. Voilà, en DVD, Blu-ray, c'est mieux. Et Immortel, à mon avis, il faut enlever 45 minutes. Tout ce qui est une image de synthèse, il faut l'enlever. Il ne faut pas le regarder. Il faut regarder le reste. Voilà. Le reste, j'assume. Je me suis fait piéger. Ce sera l'occasion d'une version actualisée. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, non, non. Mais les films, voilà. Mais c'est des films atypiques. Hein. Voilà, ils n'ont jamais été, comment dire, adoubés par le milieu cinématographique français, je le dis aussi parce que c'est une réalité, parce que c'est, voilà, c'est pas tout à fait dans les normes, dans le, et puis c'est, voilà, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que tu viens de dire, Michel, c'est je veux dire une chose simplement, c'est que moi, cette exposition, je la double totalement. Donc moi, je suis qu'on l'apprécie ou pas, qu'on en vit pas, qu'on la comprenne ou pas, peu importe, hein. Moi, je la revendique, je trouve qu'elle est, donc là je rends hommage à, parce qu'on n'a pas dit qu'il y avait des invités quand même, il y a des correspondances, des résonances avec des artistes du passé, il y a Goya, il y a Dürer, il y a du très très bon, de Bourdel, il y a du très beau monde, Bacon, donc tout ça, c'est, voilà, c'est pour dire aussi que finalement la création et l'art, c'est quelque chose qui se transmet. Ça commence avec les grottes de Lascaux. Moi, la plus belle des émotions, et Michel, je suis désolé, mais je n'ai pas pleuré en voyant mon exposition à Landerneau, mais j'ai pleuré en voyant la vraie grotte de Lascaux. Je suis sorti en larmes. Voilà. Je n'ai eu une telle émotion. Et cette émotion de l'art, elle vient en grande partie de ces endroits-là. On ne les connaît pas tous. Il y en a sans doute qui sont plus anciens encore que Lascaux. Mais voilà, l'art se transmet. Et c'est en ça que, d'ailleurs, la Fondation, moi, je trouve qu'il suffit de voir le déroulé des expositions depuis une dizaine d'années, sur je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs plus sans doute, pour se rendre compte que c'est à chaque fois une transmission, et qu'on est tous, quelque part, on a tous besoin les uns des autres. Moi, je n'aurais pas existé sans Veličković, comme par hasard, en plus, on est de Belgrade tous les deux, et c'est lui qui m'a précédé. Ouais. Voilà. Bien. Merci, on va clore cet échange sur ces jolies paroles. Merci Enki, merci Michel, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, sur Instagram, et on te retrouvera donc bientôt avec Enki pour un autre rendez-vous avec. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Ciao, à bientôt. Salut. À très vite. Salut Enki. À très vite.